Yeah, salut tout le monde, c'est Baïtezo, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo c'est tout simplement comment craquer Sony Vegas Pro 13 en fait, tout simplement. Donc vous allez juste dans la description, vous téléchargez, vous cliquez sur le lien Mediafire, il n'y a aucune pub, aucun truc ou quoi pour avoir des thunes ou quoi. Vous cliquez sur download, ça va vous télécharger l'archive. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et l'extraire sur votre bureau. Lorsque c'est fait, vous allez avoir cette archive, enfin ce fichier tout simplement. Et vous allez devoir installer ce logiciel. S'il y a une coupure avec un extrait de vidéo, c'est tout à fait normal. C'est moi qui va le rajouter, car tout simplement, je peux pas installer Sony Vegas Pro. Ok, donc nous revoilà. Tout simplement, vous lancez l'installation de Sony Vegas Pro. Il va vous demander de choisir la langue. Bien sûr, vous êtes intelligent, vous choisissez la langue française. Maintenant, il vous demande de télécharger et installer cette nouvelle version ou installer la version actuelle. Bien sûr, vous allez faire installer la version actuelle, car le crack est adapté pour cette version et non la version ultérieure ou celle d'au-dessus. Donc lorsque c'est fait, vous allez faire suivant. Voilà, quand c'est fait, vous acceptez les contrats de licence, les termes du contrat de licence, la charte. Vous modifiez si vous voulez le fichier racine du Sony Vegas Pro. Et lorsque c'est fait, vous faites tout simplement suivant et vous attendez que le chargement se termine. Donc voilà, le chargement est terminé. Voilà, donc lorsque vous avez fini de télécharger Sony Vegas Pro, surtout n'ouvrez pas Sony Vegas Pro. Laissez-le fermer, vous allez ouvrir votre fichier, vous allez cliquer sur Patch SVP, donc Sony Vegas Pro 13, et vous allez cliquer sur Vegas Pro. Vous allez cliquer, double-clic, et vous allez faire oui. Et là, il va y avoir une musique. Bon, je sais, ça va être fort, il va falloir vite la baisser. Voilà, elle est baissée. Et maintenant, vous allez faire Patch. Et lorsque vous aurez fait Patch, vous n'avez plus qu'à lancer maintenant, à fermer donc là où il y a écrit Patch, lancez votre Sony Vegas Pro et vous allez voir que ça marche tout simplement. Voilà voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace.